Bonjour à tous, c'est Captain Porridge et je suis content de vous retrouver pour un nouveau tuto Minecraft où, après le chalet que nous avons fait la dernière fois, nous allons, comment dirais-je, établir quelques petits éléments supplémentaires, commencer à corser un petit peu plus la construction avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'éléments par-ci par-là, un petit peu plus de complexité allons-nous dire dans la construction, sachant qu'on va le faire par étapes, hein. Plus ça va aller, plus on va avoir d'éléments complexes. Vous voyez, je suis dans l'encadrement de la porte de l'habitation, de la construction que nous allons faire. Comme vous pouvez le voir, elle a plusieurs étages. Hop, je reprends ma vue normale. Et là, voilà. Donc, c'est une maison avec... Donc, la dernière fois, on avait juste un rez-de-chaussée et puis un petit étage. Donc là, carrément, avec deux étages, une forme particulière. Là, une espèce de forme de croix, si on se met bien au-dessus. L'essentiel est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus différent et d'un petit peu plus complexe par rapport à ce qu'on avait la dernière fois. Alors, je remets juste le jour. Alors oui, j'avais fait un copier-coller parce que je l'avais fait ailleurs et je l'ai ramené ici. Déjà, on a le jour, c'est bien. On va enlever les mobs pour le moment. Non. Hop, voilà. Tac. Donc, comme la dernière fois, on va commencer par poser les bases. Et on va commencer tout doucement. Alors, petite différence, c'est que là, vous voyez, on n'a pas les toits, les grands toits bien profonds, on va dire, que nous avions pris. Hein, on commence à avoir des toits pointus, vous voyez, des toits vraiment en V inversés. C'est comme ça que je les appelle, je ne sais pas s'il y a un nominatif particulier, sur... différentes façades, parce que là si on avait mis des grands aplats de toit qui partaient du mur opposé jusqu'au bord de la façade, c'était pas spécialement joli, hein, donc j'ai préféré faire des toits comme ça. Voilà, voilà, quoi vous dire de particulier avant qu'on commence? Alors si, la dernière vidéo, donc j'avais construit en une trentaine de minutes, mais bon, comme je vous avais dit, si vous y faites attention, vous pouvez le faire en à peu près 15 minutes, mais bon, certes, c'est 15 minutes, comment dirais-je, c'est, c'est 15 minutes de en mode créatif, et là, c'est pareil, ça prend un peu plus de temps, vous allez voir, c'est une maison un petit peu plus complexe, donc il y a plus de choses à faire, que ce soit en mode survie qu'en mode créatif. En mode créatif, vous pouvez compter 25-30 minutes maximum, je pense, pour la faire, en dehors du tuto, hein, quand on la connaît bien, c'est une moyenne que je vous donne. Et en mode survie, je pense qu'il faut compter à peu près le double, à mon avis. Hein, honnêtement, je pense. Alors, voyez, juste avant de commencer, la petite différence, c'est que j'ai rajouté de la pierre cette fois-ci. De la pierre, donc taillée. Alors pourquoi? Parce que du coup, on a un élément central qui monte sur plusieurs étages et qui doit soutenir, on va dire, ces étages-là, qui doit supporter le poids du toit et des deux étages au-dessus, directement au sol. Donc du coup, j'ai pris de la pierre pour cet aspect plus costaud, on va dire. Hein, solidité, structure... je perds un petit peu mes mots, mais bon, c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite par rapport à la taille. Alors pareil, hein, je rajouterai pas la verdure, là j'en ai juste mis un petit peu. Pour faire joli, pour le côté esthétique, voilà. Et vous verrez qu'en fait, petit à petit, le terme esthétique est de plus en plus important, et que les termes de détail vont l'être également. Et j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose sur cette maison. Oui, tout à fait, mais c'est pas grave. Je pense que je le rajouterai, non, maintenant. Non, parce que ça va prendre un petit peu de temps, je vais pas perdre de temps là-dessus. Alors, on va commencer, si vous voulez, par la structure de base, qui est en fait celle de, je dirais, la tour. Le centre névralgique de la maison. Alors, qui est un espacement de 5 entre les piliers et donc, du coup, d'une largeur de 7. Hop, peut-être 3, 4, 5, 7. Je me dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises, voilà. Vous vous souvenez, hein, l'espacement qu'on avait pris la dernière fois, c'était aussi des 5 et des 3. On va pour l'instant s'arrêter à là, on verra ensuite les espacements de 7 et les espacements plus larges, sachant qu'on va rester quand même dans l'espacement impair, parce que ça a une certaine facilité pour la construction. Donc voilà, nous avons notre base, qui est carré, et sur lequel on va rajouter ensuite
notre bois brut pour faire, vous voyez, les petites avancées, les rallongements, on va dire, de structure, afin de pouvoir créer des plus grands volumes. Nous, bon, on va mettre la porte dans le même sens. Ça veut dire que on prend un espacement de 3, ici de 5, encore pour correspondre à la partie centrale. On espace de 3, hop, puis là, de 5. Voilà, donc ça nous fait un volume plus long. On monte encore nos murs, nos piliers, pardon, de 3 supplémentaires pour arriver à une hauteur de 4. Et je propose, parce que moi c'est vrai que j'avais d'abord fait la structure complète et ensuite j'avais commencé à bâtir. Mais je propose qu'on fasse la même chose. Donc, on va faire la structure du pilier principal, des piliers principaux, pardon, du pilier principal, de la structure principale. Alors, vu qu'on a nos murs qui sont de 4 de haut, mais qu'on a quand même des étages avec donc le bois qui doit le plancher qui doit donc correspondre à un bloc d'étage, et qu'on a ces poutres transversales, disons, qui sont là pour soutenir les étages, il va falloir penser qu'à chaque fois que vous allez monter vos piliers centraux ici, hein, de la structure de base, de la tour, on va dire, on va appeler ça comme ça, il va falloir rajouter un bloc de haut qui correspondra aux éléments de support des étages supérieurs. On remonte de 4 pour le premier étage. Et on a donc on a un début de structure avec le premier étage. On remet un bloc supplémentaire. Voilà. Dessus pour pouvoir y mettre, vous voyez ce qu'il y a devant mon curseur, la zone ici de support de l'étage numéro 2. On rajoute ensuite une hauteur de 4 blocs pour pour les façades de notre deuxième étage, la hauteur de notre deuxième étage tout simplement. Et je crois que j'en ai oublié un. Voilà. Et voilà, vous avez la structure, et je crois que j'en ai oublié un là-bas. Voilà. La structure de base de la tour. Pour cette partie ici, donc qui est au premier étage et qui, vous voyez, fait une petite avancée. Et d'ailleurs, là, je viens de m'apercevoir. Pardon. Sans casser, c'est mieux. Voilà. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fini ma terrasse parce que je vous ai encore fait une terrasse en bois. Et oui, j'aime bien les terrasses en bois, je trouve ça joli. Alors, ça c'est vraiment tout simple. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, vous pouvez le faire surélever. Mais auquel cas, il faut que vous pensiez du coup. Alors, le mieux c'est d'utiliser des dalles. Si vous voulez surélever de blocs complets, il faut penser par rapport à la porte qu'elle soit également surélevée ou alors que vous ayez de quoi y passer. Hein, pour pas que ça gêne. Ce que je voulais dire, par rapport à ce premier étage, donc bien entendu, il va falloir faire la structure de base, puisqu'elle ne su n'est pas, elle est supportée par des piliers que vous voyez ici, et non pas par un étage en lui-même. Donc, on va faire d'abord des poutres qui vont permettre de supporter cet étage. Donc voilà, donc je prends au cinquième bloc, puisque les quatre premiers correspondent, on va dire, à ma façade, à mes différentes façades. Voilà. Je le mets comme ceci. Alors là, je le laisse à vide. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand je remets des poutres dans l'autre sens, à la perpendiculaire des autres, toujours sur un plan plane, sur un plan horizontal, eh bien, du coup, on ne les voit plus. Et je mets toujours ces petits éléments qui ressortent des poutres parce que je trouve que ça fait vraiment un effet solidité, des gros éléments mastoc qui sont là pour soutenir le tout. Et on va commencer du coup à avancer ces poutres ici, donc sur les côtés, en perpendiculaire de cet grand espace qu'on a fait en bas, pour faire en fait un espace similaire, mais au premier étage. Donc on avance de 3 parce qu'on a un espacement de 3 entre les piliers. On rajoute un pour le pilier principal que l'on monte de 4, vous voyez, et qui fera donc la façade. Mais on va aussi en rajouter un supplémentaire, ce qui nous fait donc 5, pour faire un élément de soutenance, là encore, de solidité, comme on a fait précédemment, hein, vous voyez, ici, avec les poutres qui ressortent, je dirais, des poutres en pierre. Voilà, ça fait beaucoup de mots poutres, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, vous avez les poutres principales du premier côté, on va dire, de votre habitation. Vous refaites la même chose de l'autre côté, donc espacement de 3, plus 1 pour la poutre que l'on va monter, le pilier. Et on continue. Donc là, espacement de 5, bien entendu. Alors moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Donc 3 plus 1. Hop.
Et donc voilà, vous avez pareil votre espace, votre grand volume de premier étage qui est installé. Grand volume de premier étage et ici grand volume de rez-de-chaussée. Sachant que au dernier étage, on ne ferait pas un grand volume, on va juste faire une pièce carrée, cubique. Donc pas besoin de rajouter des poutres de partout. On va juste en mettre au niveau des poutres centrales en pierre, comme ceci, comme on a fait pour l'étage du dessous, pour pouvoir soutenir et séparer les deux étages. Voilà. Voilà. Et oh, 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 oh. Voilà. Et voilà, donc là vous avez votre structure principale. Alors maintenant on va s'occuper des structures de toit. Alors c'est vraiment tout simple, vous allez voir, c'est comme un peu comme ce qu'on avait fait sur le chalet. Hein, mais ça va être des V, ça va pas être simplement monté petit à petit en diagonale, ça va être une forme de V inversée, voyez, comme ceci. On se retrouve avec la forme de V. On le fait sur chaque sommet de façade, on va appeler ça comme ça, ce qui va nous créer un effet visuel avec plus de, oula, avec un peu plus de, comment dirais-je, d'arêtes, de sections en fait. Parce que là, du coup, vous en allez avoir une qui va être transversale ici, vous allez en avoir une transversale ici, hein, qui traverse à chaque fois. Et en haut, vous allez voir, on va faire ce que j'appelle, alors je ne sais pas si le terme est le terme technique adéquat, je le dis avec mes mots tout simplement, mais on va faire une sorte de toit croisé. Par contre, la nuit tombe, on va peut-être remettre vite fait le jour, voilà, au cas où. Un nouveau village. Hop. Nouveau village, c'est vrai qu'on aurait dû le mettre cagissant, mais c'est pas grave. Alors, on va faire aussi cette partie-là. Alors, je n'utilise pas... Pas beaucoup de alors. Je n'utilise pas de bois brut, du coup, vous voyez, pour faire le V inversé qui est sur les poutres en pierre. J'utilise de la pierre pour deux raisons. La première, parce que c'est le même type de bloc et que ça m'embêtait, si vous voulez, de remettre un autre... un autre élément graphique, j'avais juste envie d'utiliser le même. Et puis parce que, au final, vu que c'est un toit qui est composé de pas mal d'éléments, qui est croisé, donc qui potentiellement, si on était un peu en RP, pourrait être plus lourd que les autres toits, et bien du coup, de la pierre fait un élément de soutenance plus fiable, structure plus solide, que si on avait pris du bois. On va s'occuper tout de suite des toits, je vous explique pourquoi rapidement, parce que c'est ce qui prend du temps. Je vais vous montrer une façade de toit, ici. Je vais vous montrer le toit en croix, et ensuite je ferai un copier-coller, donc je fais une petite ellipse, parce que c'est vu que c'est ce qui prend le plus de temps, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. L'essentiel, vous, ensuite, c'est que vous pourrez le reproduire. Alors là encore, on ne va pas mettre du gris partout avec notre pierre, comme je fais de temps en temps, on va juste en mettre au bout de la façade, et on met donc nos escaliers que l'on décale de 1 par rapport à notre bois. Alors pareil, je ferme la pointe, vous voyez, de notre toit avec un escalier que je mets en direction de la façade, de face. Voilà. Vous voyez, de 1 d'écart. Ensuite, on utilise à nouveau notre bois sombre, parce que je suis resté dans le même type de texture, on va dire, que le chalet. Je trouvais ça sympa, et puis petit à petit, vous verrez qu'on complexifie. Puis moi, je trouvais ça, en fait, quand j'ai fait l'habitation, je le trouvais très chouette comme ça. C'est toujours aussi dans un esprit potentiellement reproductible en survie. Alors, vous voyez, donc, accolé à la pierre, j'ai remis notre bois de planche et sombre, sur lequel j'ai mis une dalle, comme en fait encore au chalet, sur le bloc plein de bois sombre à côté de cet escalier. On continue ensuite avec notre bois clair. Et ici, donc je n'en mets pas un bloc de bois complet, je remets un escalier que j'inverse par rapport à la façade, on va dire. Ce qui nous fait une sorte de petite pointe. Voilà, on continue encore d'un bloc. Et je laisse, si vous voulez, ce pilier ici, vous allez voir. Alors là, je ne mets rien, vous allez comprendre. Enfin, je vais le remplir à plat, mais pour l'instant, je ne mets rien. Je laisse le pilier là. Vous allez comprendre pourquoi. Accolé du coup à cette façade, à cette structure, je vais reprendre mon bois sombre. Hop, des deux côtés. Et effectivement, là où
est actuellement la poutre qui ressort, celle qu'on aurait pu l'enlever pour remettre du boisson, comme ceci. Seulement, on voit apparaître la pierre. On aurait pu mettre du bois à la place, histoire que visuellement, on n'ait pas une sorte de problème, enfin, d'incohérence graphique. Bon, c'est juste une histoire d'esthétique, hein. C'est pas incohérent non plus, mais c'est juste que, voyons, on voit la poutre qui ressort, moi j'aime pas trop de laisser ça comme ça. Puis ça me dérangeait absolument pas, ça fait vraiment deux éléments incorporés à la maison, je trouvais. Je reprends mon bloc que je remets, vous voyez, au bout ici, en symétrie, on va dire, par rapport à l'autre côté. Je reprends ma dalle claire, et en fait, avec mon escalier, je la mets dans l'autre sens, et ça nous fait une petite forme, vous voyez, un petit creux. Et on va commencer petit à petit, comme ça, à avoir des formes de toit. Ça veut dire des formes différentes de ce que des éléments simples qu'on utilise avec escalier, etc. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, on va complexifier et on va commencer à rajouter des éléments de détail, des formes diverses, etc. pour que ce soit de plus en plus joli. Et on finira un jour, vous verrez peut-être, avec des toits organiques. Hop. Alors, je fais la même chose, vous voyez, toujours avec ma pierre sur mes V inversés, on va appeler ça comme ça, mes V inversés du toit de la tour, hein, appelons ça comme ça, une tour. Alors différemment des autres toits, vous voyez, je ne prends pas un bloc d'escalier collé au pilier. Pourquoi? Parce que lorsque je vais faire la même chose en V de l'autre côté, eh ben, je vais être bloqué. Parce que normalement, ça devrait venir comme ça. Donc, vous allez voir, il y a une petite astuce. Et ça, donc cet élément en V, je reproduis de chaque côté. Bon, je pense que maintenant, vous l'avez pas mal vu. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image si vous avez besoin. Hop. Et voilà, donc on se retrouve avec un élément comme ça. C'est vrai que ça peut faire beaucoup de gris, mais vous allez voir avec les éléments de détail qu'on va rajouter. Et puis visuellement comme ça, ça fait vraiment, je trouve, une structure solide, un petit peu travaillée. Et je trouve que graphiquement, c'est très intéressant. Hop. Donc on continue. Toujours de 1 d'écart. Hein. Voilà. Tout autour du toit. Alors j'aurais pu aussi le faire en copier-coller, mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, je vais pas non plus leur infliger ça. Hein, parce qu'on aurait pu faire un côté, hop, faire deux positions, copier, clac, tourner, coller, clac, tourner, coller. Hein, on va faire que ça. Je vais le faire pour les autres façades, parce que c'est tout le temps les mêmes toits. Donc ça, c'est juste, vous reproduisez, hein, comme j'ai fait là. Ou à moins que vous ayez aussi d'autres idées et que vous souhaitiez le faire différemment. Alors ça, vous n'hésitez pas. Hop, ensuite je vais chercher une dalle en pierre taillée. Vous voyez que je vais mettre non pas à même les escaliers, mais un bloc en dessous, tac, dans l'angle, pour fermer cet angle. Si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire de fermer cet angle, vous ne le fermez pas si vous préférez le laisser ouvert. Moi je trouvais que fermer c'était plus joli, mais c'est vraiment au choix de chacun. Là il n'y a pas d'obligation. Voilà, vous voyez. Tac. Ensuite, au niveau, vous voyez, du bois, on va faire quasiment pareil, à la petite différence que, en fait, on va faire une sorte de petit toit qui va monter, vous allez voir. Je mets mes blocs de bois tout autour, sauf, bien entendu, enfin, mes escaliers en bois, pardon, sauf au sommet, parce qu'on va utiliser à nouveau des blocs de bois pleins. Alors, l'avantage ici, c'est que ça ferme l'angle. Hop. Voilà, tout autour. Et ensuite, on va reprendre nos blocs pleins de bois que l'on va mettre sur les arêtes. Mais on va aussi y rajouter des escaliers dessus, dans le prolongement, comme si on voulait à nouveau monter le toit vers en sa pointe, qui sera au centre. Même si, vous voyez, je ne l'ai pas monté complètement, parce que, en fait, finalement, je trouvais que ça faisait trop... le fait de le faire trop pointu ne collait pas avec le reste des toits. Ensuite, on va prendre des blocs pleins de bois clair que l'on va mettre à l'intérieur du toit. Vous voyez? En tout cas, en se positionnant à l'intérieur, à coller aux escaliers. On va prendre une dalle en bois clair que l'on va mettre, on va dire, sur la pointe de cet angle qui est formé par les trois blocs de bois clair. Voilà, comme ceci, pour avoir une sensation, si vous voulez, de support, enfin un tout petit peu plus haut. Parce que si on l'avait enlevé, vous voyez, c'était assez lisse. Et au final, on se retrouve avec une différence de taille au niveau des blocs que je trouve trop importante. Et donc du coup, avec cette dalle-là, ça réduit un petit peu et ça continue avec cette forme de toit. C'est vraiment comme si c'était profilé, on va dire. On reprend néanmoins nos escaliers que je vais aller chercher là-bas. Hop, que j'aurais pu les chercher sur le toit en dessous.
t'es plus près aussi, mais c'est pas grave. Que l'on va mettre, vous voyez, sur les côtés à la même façon qu'on avait mis nos escaliers sombres. Tac, voilà. Hop, pardon, c'est comme ça que je voulais vous montrer. On va reprendre notre bois clair que l'on va rajouter à coller à l'escalier en bois foncé qui forme une pointe et à l'intérieur de nos angles de bois clair. Voilà, comme ceci. On reprend ensuite notre dalle que l'on rajoute toujours sur cette diagonale, en fait, vous voyez, on les rajoute sur les diagonales sur les blocs de bois clair. Et on va rajouter une dalle aussi sur les blocs de bois clair qui sont sur l'arête de cette croix. Et comme ça. Ah, hop. Pour encore faire une sorte d'effet montant, grimpant. Et mais on va pas grimper plus. On va reprendre aussi nos escaliers qu'on va mettre à l'intérieur. Comme ceci. Je l'avais fait comme ça? J'ai un doute. Si, si. À l'intérieur, hop, de nos blocs, de notre toit. Et pour finir, on va rajouter un bloc de bois foncé au centre. On va aller chercher un muret et une barrière que l'on va mettre au sommet. Voilà, pour faire un peu paratonnerre et puis pour renforcer très légèrement, juste visuellement, ce côté pointe. Voilà, donc là vous avez vu les deux formes de toit. Ce toit là vous allez voir, donc vous le reproduisez des deux côtés, que ce soit enfin de l'eau à la face opposée et aussi à l'étage du dessous. Ça va faire exactement la même, c'est exactement pareil, hein. Souvenez-vous, le premier bloc il est vraiment accolé à la poutre, en haut de la poutre, et puis le reste on le monte, hein. Un petit set time set day et je vous reprends tout de suite. Je vais faire un copier-coller de ces toits, je vous reprends tout de suite. Et nous revoilà avec ces toits qui sont montés. Hein, je voulais pas non plus vous infliger le fait de perdre du temps, surtout pour cette vidéo. Hein, on a plein d'autres choses à faire. Alors, ensuite, je vais consolider mes étages. Je vais rajouter, vous voyez, un élément sortant, mais cette fois-ci sur le dessous de ces poutres. Comme si, effectivement, la poutre principale qui était là ressortait et qu'elle était vraiment coincé entre ces, dans ce croisement de poutres, hein. Ensuite, pour donner encore un peu plus de solidité, pardon, je ne vais non pas, là c'est juste pour vous faciliter la tâche, hein, mais je ne vais pas laisser une poutre comme celle-ci, seulement dans le prolongement de celle-là, de la poutre que l'on vient de rajouter, de cet élément de bloc de bois brut, je vais mettre une, voyez, à même le sol, un morceau de pierre que je lie avec la poutre supérieure, avec des murets. Ce qui nous fait, sans non plus être trop volumineux, un petit étai qui va supporter, si vous voulez, l'étage. Même si en soi, avec les poutres, on aurait pu faire, si vous voulez, quelque chose de profilé ou d'arqué jusqu'en bas, un petit peu à la steampunk, on va dire. Je préférais vous faire cet élément-là parce que, quelque part, c'est plus simple aussi. Et puis, vous verrez qu'on peut le mettre, c'est ce genre de choses qui peut être intéressant. Si vous voulez, par exemple, ici, laisser à vide ou en dessous, faire des arcs et disposer votre habitation sur une chute d'eau. Vous pouviez y mettre dans cette ouverture des roues à eau, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de possibilités. Mais l'avantage, c'est que ça nous délimite une zone en dessous, ça soutient le tout, c'est pas moche, et il y a beaucoup de possibilités d'utilisation. Mais ça, on verra ça plus tard dans d'autres épisodes. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus du coup qu'à s'attaquer aux façades, puisque nos toits sont terminés. Et pour les façades, vu que j'ai utilisé du bois taillé, du bois, vous voyez ce que j'ai en main, du bois taillé, hein, de la pierre taillée, eh ben, on va continuer. C'est vrai que la dernière fois, vous avez vu, on avait pris plutôt une pierre assez brute comme celle-ci, hein. Alors, l'entrée va se faire là, mais comme toutes les façades, voyez-vous, comme le chalet, en fait, on va délimiter les côtés. C'est une façon d'avoir vraiment une structure de base très solide avec des pierres, donc de chaque côté de mes poutres, de 2 quand on est sur un espacement de 5, vous voyez, de chaque côté, je laisse un espacement au milieu, et de 1 quand on est sur un espacement de 3. Alors, ne faites pas l'erreur de le faire ici ou de l'autre côté, puisque ce sont des espaces vides. Même s'il y aura la terrasse d'un côté. Je vous l'accorde, je reprends mon bois brut d'ailleurs pour délimiter ma terrasse que je mets de ce côté-là. Si vous voulez en faire deux, vous pouvez. Vous pouvez faire des deux côtés. Il faudra juste penser du coup
à bien reproduire, si vous voulez, la façade de ce côté ici pour la terrasse. Hein, oui, je délimite comme ça. On va prendre tout de suite mes barrières pour délimiter le sol. Je vais faire encore une entrée ici pour accéder à la terrasse si on le veut. Je vais finir ma terrasse tout de suite avant qu'on y ait. Hop, d'ailleurs, ça va partir parce que vous allez voir, je vais faire autre chose. Hop, je mets mon bois brut. Mon bois brut, mon bois de planche clair ici. Et pour la porte, je ne vais pas réutiliser du bois, je vais prendre de la pierre. Parce que du coup, on a commencé avec la pierre et j'aimerais bien continuer avec la pierre de ce côté-là. Vous allez voir que ça ne choque pas du tout l'œil. Je prends très rapidement, hop, ma porte, ma fence gate. Voilà. Tac. Ensuite, je reprends pour fignoler la structure du contour, enfin le bas, mes blocs de bois brut que je rajoute comme la dernière fois avec le chalet à la base de chaque poutre déjà présente pour consolider, on va dire, vraiment la base de la structure. Bon, j'espère quand même que cet épisode va pas être trop long parce que sinon, ou alors je le découperai en deux, hein, donc vous ne soyez pas étonnés si finalement ça s'arrête en plein milieu sans que je vous ai prévenu, mais c'est que s'il est trop long. Parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer, et bah du coup on fera ça en deux épisodes. Sinon, on va juste se dépêcher un poil. Hop, alors attendez, je vais aller récupérer. Je sais qu'il y en a en haut. Les blocs que je cherche. Voilà, on va prendre ça comme ça. Donc, voilà. Hop, on va s'attaquer aux façades. Alors aux façades de 3, comme aux autres, vous vous souvenez, on monte de chaque côté 3 blocs de bois clair. Je ne le fais pas, vous allez voir pour l'entrée, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Trois blocs de bois clair de chaque côté. Voilà. Tac. Alors vous allez voir ici, on va faire quelque chose de différent. On va s'y attaquer tout de suite d'ailleurs. Donc dans nos espacements, vous voyez, en V, qui sont au bout de nos façades, et donc qui pourraient potentiellement nous embêter, parce qu'on va pas rajouter, on pourrait, si vous voulez, rajouter par exemple un pilier comme ça. Mais personnellement, je trouve que ça fait trop, personnellement. Mais c'est mon point de vue. Vous pouvez, pour vous faciliter la tâche, sinon vous allez faire, enfin vous allez faire. Je vous propose de faire comme ceci, de mettre juste un bloc au milieu, et vous allez voir ce que ça donne. On va le faire partout. Quasiment partout, vous allez comprendre. Hop, donc sur nos toits. Et quand on va arriver à nos toits de pierre, on va faire pareil, mais juste sur les faces qui sont complètement ouvertes, vous voyez ici. Mais celle-là, cette fois-ci, on met vraiment quelque chose de transversal parce que esthétiquement, on a deux coloris différents. Mais on va pas le faire là. Vous pouvez, on va pas le faire là, vous allez voir, parce que sinon, ça risque d'être trop lourd, tout simplement. Là, on est sur notre façade de porte. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait un montant de porte qui était comme ceci, uniquement en bois. Et bien là, on va changer un petit peu. On va mettre de la pierre à ce niveau-là, juste pour continuer, garder ce côté solidité. On va faire la même chose, évidemment, pour la terrasse. Hop, voilà. On va prendre notre bois sombre que l'on va superposer sur, voyez, les blocs de bois brut qu'on a rajouté pour le côté solidité, devant la porte aussi, les portes, puisque nous avons aussi celle de la terrasse. Et comme la dernière fois, vous voyez, dans l'espacement qu'on va laisser pour les façades, on va rajouter du bois. Et le même bois que nous utilisons actuellement. C'est-à-dire comme ceci. Et du coup, vous voyez, c'est à même le sol, ça fait un peu effet bois travaillé, on va dire, d'une part. C'est aussi c'est une couleur différente des murs que l'on vient de monter, ce qui esthétiquement rend un petit peu plus joli, ça fait un peu plus d'éléments de couleur, de détails de couleur, disons. Et mais vous allez me dire, mais bah oui, mais là, il y a un bloc à vide. Eh bah, ben, vous prenez un bloc de bois complet, de bois sombre, et vous remplissez cette zone-là, qui en fait est un peu caché par les toits. Pour les façades des étages, vous allez voir, hein, ça va être un tout petit peu différent. On va peut-être se mettre un peu de lumière là. Parce que quand je vais être à l'intérieur, j'aimerais bien que vous puissiez voir correctement quand même. Hop. Tac. Tac. C'est mieux. C'est mieux. Ah ah. Voilà. Alors, ensuite on se retrouve ici. Là, vous allez me dire, bon, on va pas faire non plus un
Ça fait un petit peu une tête de creeper quelque part. Ouais. On va pas laisser comme ça. On va mettre des escaliers inversés entre la poutre. Vous voyez qu'on a petit rajouté le bloc de poutre. Et un escalier inversé dans l'espace mensu qui reste là-haut, mais de couleur sombre. Et là, on commence à avoir apparaître des petits éléments de détail parce que sur la partie ici, on va rajouter toute une bande de bois sombre en escalier inversé. Et vous voyez, le fait d'avoir mis des escaliers comme ça qui entourent le bloc de bois brut, eh ben, on commence à laisser apparaître du détail au niveau visuel et au niveau profondeur, dans le sens où on rajoute un quart de bloc de profondeur. C'est très léger, c'est pas grand chose, mais ça commence, si vous voulez, à laisser apparaître du détail. Et ensuite, on verra pour les éléments de détail avec les fences, etc. Donc là, vous avez une grande fenêtre. Ici, on va pas rajouter, si vous voulez, parce que ça fait vraiment petit, donc moi je préfère laisser mon bloc de bois brut là. Là, à même la poutre à l'intérieur, on rajoute, oula, laisse-moi passer, merci, notre escalier inversé. Ici, alors ici, il y a différentes écoles de pensée. Moi, personnellement, j'avais fait comme ça. Donc, j'avais laissé, si vous voulez, un espacement de vide ici pour pouvoir faire une fenêtre. Mais vous pouvez combler si vous préférez. Moi, je préfère quand même laisser une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Donc, au-dessus des montants, si vous voulez, de ma porte, je rajoute des bois du bois clair. Vous voyez ? Ici, je pourrais mettre une fenêtre. Et en haut, là, je pense qu'il va falloir remettre... Voilà, la lumière. Je vais reprendre, comme on avait fait sur la façade opposée, tac, un bloc inversé. Le bloc inversé que je rajoute ici aussi pour les fenêtres qui vont venir de chaque côté de la façade. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop depuis combien de temps l'on tourne. Donc, je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire une petite ellipse ou faire ce tuto en deux fois. Si effectivement il faut le faire en deux fois, je m'arrêterai là, je vous couperai ici et je vous reprendrai juste après. Mais je pense qu'avec TQM on vous mettra quand même le tuto en deux parties, mais sur deux journées, hein, que vous l'ayez assez rapidement. Voilà, voilà. Donc si on coupe ici, je vous dis à tout à l'heure, et si on ne coupe pas, eh ben à tout de suite, on continue. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.